l'honneur euh, d'animer pour la première fois une conférence ici ouais, le... au campus et c'est une, une, une conférence qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais parler d'intentions de recherche et notamment de comment détecter les intentions de recherche grâce à la technique du keyword overlap donc keyword overlap c'est un anglicisme euh, c'est en fait l'étude euh, de la similarité des SERP sur euh, certains mots clés pour essayer en fait de tout simplement regrouper par intention de recherche euh, des mots clés qui sont très proches c'est une technique qu'on peut faire manuellement, tout simplement en comparant deux SERPs, mais c'est une technique et c'est là où ça devient intéressant qu'on peut vraiment scaler grâce à l'utilisation de langages de programmation comme Python ou R. Et donc durant ma conférence, j'expliquerai évidemment l'importance de l'intention de recherche, de ce qui a changé chez Google dans l'interprétation de l'intention, mais je montrerai aussi très concrètement des scripts que je donnerai à la fin de la conférence pour que vous-même vous puissiez chez vous, à la maison, en entreprise. Euh, commencer à clusteriser vos mots-clés par intention de recherche et apporter vraiment euh, plus de valeur euh, durant vos audits sémantiques. Voilà. C'est une conférence qui s'adresse plutôt à des SEO confirmés ou experts qui ont déjà eu à faire des audits de mots-clés, des audits de sémantiques, qui se sont arrachés les cheveux euh, quand ils ont eu euh, besoin de regrouper les mots-clés, de clusteriser les mots-clés, de vraiment, euh, en gros, euh, passer du temps à... À tailler dans le gras pour essayer d'avoir les meilleurs mots-clés pour ses clients. Voilà, donc plutôt des gens qui ont déjà masterisé les audits mots-clés et qui ont besoin de passer la seconde pour gagner du temps et apporter plus de valeur à, leur, à leurs clients. Au campus, bah parce que ça reste encore aujourd'hui les... vraiment majeur, incontournable du search et, et notamment du, du SEO. C'est le moment où vous allez euh, assister aux meilleures conférences et, et j'espère que la mienne sera, sera dedans. Mais c'est également euh, le moment où vous allez faire le, des rencontres, euh, discuter avec vos partenaires, euh, trouver des clients. Voilà. C'est vraiment euh, incontournable aujourd'hui et, et c'est euh, que ce soit en live ou en replay euh, ou, ou sur place. C'est vraiment l'événement à ne pas rater pour faire sa veille et pour tout simplement devenir un meilleur référenceur. Moi, c'est François Dragon. J'ai 35 ans. Je suis un jeune papa et je suis le cofondateur de WeBloom. WeBloom, c'est une agence SEO et SIA qu'on a fondée avec mon associé Clément Bourdon en 2018. Une agence de conseil, mais aussi une agence opérationnelle dans le SEO et dans le SIA. On accompagne des startups et des scale ups et des, des MVB et des PME dans toutes leurs problématiques de référencement, que ce soit avec des accompagnements techniques, contenus, backlinks. Moi j'ai commencé le SEO euh, il y a plus de dix ans maintenant, euh, au départ plutôt sur la partie technique, puis ensuite j'ai fait beaucoup d'affiliations, j'ai fait beaucoup de e-commerce euh, avant de fonder l'agence en, en 2018. Aujourd'hui on est partenaire de beaucoup d'incubateurs euh, sur Paris et dans la région Île-de-France, notamment euh, Wilco, Movelab, Make Sense, euh, avec pour objectif vraiment d'aider nos clients à se développer euh, et à faire du business euh, en ligne. tout simplement pour dire que euh, je suis très honoré de participer enfin euh, au SIO Campus euh, en, en présentant une conférence. Ça fait vraiment plusieurs années que je suis du côté spectateur. Et, euh, et voilà, c'était aussi pour dire à tous que euh, si vous continuez à venir, si vous continuez à vous parfaire dans votre métier euh, et à grandir, euh, peut-être un jour aussi vous serez euh, on-stage euh, côté, euh, côté animateur. Voilà, merci et venez nombreux me voir euh, au SIO Campus. Salut.